Salut et bonjour à tous, je vais vous présenter mon Millennium Lego Star Wars. Bon, on va commencer par les personnages. Leila, Chewbacca, C-3PO. Enfin, C-3PO et R2-D2, je les ai rajoutés, on le reçoit pas avec le paquet. Enfin, ça dépend parce qu'il y a plusieurs Millennium. Obi-Wan, Luke, j'ai changé sa coupe de cheveux et son arme et sa tête. Je l'ai fait moi-même. Après, on a Dark Vador, je lui ai mis un sabre noir. Après, il y a Han Solo. Voilà. Mais je l'ai modifié, Luke. On reçoit Luke dans le papier. Sauf que je l'ai modifié, C-3PO et R2-D2, on le reçoit pas avec le papier. Mais comme j'ai dit, ça dépend des Millennium. Il y en a où on reçoit C-3PO et R2-D2. Et il y a aussi le masque d'entraînement de Luke qu'on voit dans l'épisode 4. Maintenant, le Faucon Millennium. En dessous des 4 canons. Je vais vous montrer en bas. Comme vous le voyez, il y a une tourelle. Les pieds pour atterrir. Les 4 canons. Là. Après, on a ça. Ça ressemble, c'est ça. Attendez, désolé. Bon, ça c'est des trucs d'aération. Là. Des petites décorations. Donc des bouches à air. Là, encore une tourelle, comme vous le voyez. Je ferai des autres vidéos avec une base que je vous montrerai. Je vais la faire. J'en ferai plusieurs, je vous les montrerai. Bon. Après. Vous voyez le petit tunnel là pour aller dedans. En fait, on peut pas aller dedans, mais pour aller dedans, en fait, il faut tout simplement ouvrir. Il y a une place pour deux personnes. On peut mettre Chewbacca et Han Solo. Là, comme j'ai dit, les personnages, je les ai modifiés. Là, une bombe. On la reçoit pas avec. Je l'ai modifié. Ah, j'ai oublié quelque chose. Ça, c'est pour avoir des ondes. Mais là aussi, je l'ai modifié. Là, c'est les moteurs pour aller en vitesse lumière. Là, il y a un volant. On le tourne et on peut passer en vitesse lumière. Alors, ça aussi, je l'ai rajouté. Là, il y a un ordinateur. Enfin, il y a beaucoup de trucs que j'ai rajoutés. Là, une table de jeu. Là, la salle d'ordinateur. Je vois pas bien. Là, c'est pour mettre le casque pour ranger. En fait, Dark Vador, on le reçoit avec un sabre rouge et Luke avec un autre pistolet et une autre coupe de cheveux. Bon, ça aussi, là. Les blocs, je les ai rajoutés. Il y a beaucoup de trucs que j'ai rajoutés pour faire plus stylé.
Après, à l'intérieur, vous savez, les tourelles, ça peut pas se guider, ça peut pas se guider et tirer tout seul. Donc, ils ont fait un système. Je crois qu'on voit dans l'épisode. Attendez. Je crois qu'on voit dans l'épisode 4. En fait, comme ça peut pas se guider tout seul, on met un personnage là de ce côté et un personnage de l'autre. Et ce personnage là, il va guider la tourelle d'en haut, et ce personnage qui va être là, il va guider la tourelle d'en bas. Après, on a le truc d'entraînement là de Luke. Mais pour rentrer dans le Millennium, il doit bien avoir une porte. Alors en bas, ils ont mis une porte. Je vais l'ouvrir. Elle est là. Et de l'autre côté, on a aussi une porte qui, sauf qu'elle s'ouvre vers le haut, et à l'intérieur on a une cachette secrète qu'on voit dans l'épisode, je crois, ouais, 4. Sauf que j'ai pas mis à la place de la cachette secrète, j'ai mis des armes. Ça sert beaucoup, c'est bien. Là, il y a une petite boîte. On peut mettre des armes et tout le blabla et tout le blabla. Après, là, il y a des petits autocollants pour avec plein de mécanismes et tout ça. Là, il y a des lits, table de jeu, et là, il y a une petite caisse avec des marteaux, des trucs. Voilà. Je vais vous montrer juste comment Luke il est vraiment. En fait, Luke. Luke, il est comme ça. Voici Luke. Voilà. Voilà. C'était le Faucon Millennium Lego. Salut et bonne année 2013. Je vous ferai des autres vidéos la prochaine fois. Bonne année.